Voilà, je suis ému. C'est beau de voir autant de mecs infects. J'adore, on se croirait dans un cimetière. Ah, ils sont vraiment pourris jusqu'à l'os. Personne n'est plus pourri que moi. Vous allez voir ça. Oh, je suis irritant. Oh, c'est pas une bécane pour les petites filles. Il est temps pour la bande de mettre tout le pays à feu et à sang. Pas vrai, Vito Jones? Oui. Il va y avoir de la viande sur les murs. T'as de beaux yeux, tu sais. Moi aussi. Embrasse-moi. Mais quel est ce bruit que j'entends? Mais c'est mon cœur qui bat. Ouais! Personnellement, je trouve que ce film est minable. Il y a des trous dans la pellicule. T'as cassé la baraque, Vito Jones. Bien joué. Ouais. Je suppose que maintenant, je suis devenu le chef de la bande. Pas question, Vito Jones, c'est moi le chef. Motocyclo. Tu vas voir. On peut pas dire que tu prennes des gants quand tu causes. Je te défie devant tout le monde, tu n'es qu'un minable, c'est moi le plus fort. Ah oui, ceci est une révolte. Oh, Lydia! Vas-y, hurle mon nom trois fois! Beetlejuice! 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 Mes amis, hélas, je dois partir. Et c'est pas que je m'ennuie, mais... Allez, je vous offre le pot de l'amitié. Ah, c'est l'horreur, poupée. Je suis tombé sur une bande de nazbrocs complets qui m'ont emmené faire la plus grosse java de tous les temps. Je te raconte pas le délire de l'affaire. Démentiel. On était les rebelles de la route. Jusqu'à ce que ma moto se rebelle contre moi. Beetlejuice, comment as-tu fait pour te procurer une moto? Depuis que Doomy, ma bagnole, a fait quelque chose d'ignoble. Elle a... Comment dire, elle a... Oh, je ne peux pas répéter ce qu'elle a fait. Doomy a été un ange, c'est-à-dire fraîche, joueuse et utile. Ça y est, j'ai compris. Elle a été gentille. Ouais. Tous les deux, vous n'avez vraiment rien en commun. C'est pour ça que je suis allé à la vieille casse de bagnole où j'ai créé Motocyclone. Ma petite voiture m'a suivi en gémissant. Un vrai bébé. Tu n'as pas laissé Doomy là-bas, au moins? Il faut absolument la retrouver. Elle est en mauvaise posture. Alors où est-ce que tu l'as laissée exactement? Je sais plus. Quelque part par là. Tu ne sais plus? Quelle drôle de façon de traiter une amie. Oh! T'as raison, Lydia. Je ne suis qu'un rat. Une pomme pourrie. Un âne batté. Beetlejuice, le bouchon de radiateur de Doomy. Oh là là, ça ne me dit rien qui vaille. Peut-être que ce bouchon aura du nez et qu'il retrouvera Doomy.